Nous avons voulu créer, avec le président de Veuve Clicquot, nous avons voulu créer un nouveau champagne. Nel 2011, insieme al presidente di Veuve Clicquot, abbiamo deciso di creare un nuovo champagne. Donc l'objectif était de mettre en avant cette texture très soyeuse, très crémeuse. Lo scopo era appunto quello di giocare, di far mettere al centro questa consistenza cremosa e setosa. En allant chercher aussi un maximum de pureté, de vigueur. Ricercando il massimo della purezza e della forza. Et donc nous m'est venu à l'esprit de travailler sur un assemblage basé à 100% sur ces vins de réserve. Ed è per questo che io ho pensato di lavorare ad un assemblaggio basato al 100% su vini di riserva. Et donc nous avons fait quelques essais d'assemblage en 2011 et 2012. Nel 2011 e 2012 abbiamo fatto vari test di assemblaggio. En utilisant ces véritables trésors que sont nos vins de réserve, et notamment ces vins de réserve qui peuvent être pour certains très anciens. Andando appunto ad utilizzare questo nostro tesoro costituito dai vini di riserva di cui alcuni sono davvero molto molto belli. Et c'est la raison pour laquelle ce champagne porte dans son nom porte cette expression de cette maturation. C'est pour ça que ce champagne s'appelle Extra Old. Questo champagne per l'appunto si chiama Extra Old proprio per questo, per un riferimento voluto a una grande maturazione. Mais également dans le même esprit, nous recherchions, nous voulions explorer un domaine que Veuve Clicquot n'a jamais exploré encore dans son existence. C'était le domaine des champagnes très peu dosés, très peu sucrés. Mais l'autre chose que nous avons voulu faire était d'aventurarci in un territorio encore inesplorato per Veuve Clicquot, cioè quello degli champagnes con un bassissimo dosaggio.